Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Moi aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui, c'est les JPO de mon école. Du coup, vous allez voir ça un petit peu, l'installation, etc., l'organisation, dans le journal de bord de mercredi là qui arrive. Mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo dédiée à ça pour montrer un petit peu mon travail, le travail des autres aussi, et mon école. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et du coup, je vous laisse avec la suite. Du coup là c'est les B1 mode, hein, c'est ça? Les premières années, première année pardon. Et ben franchement il y a du niveau, hein. J'avais pas ce niveau là moi. Du tissage. Mais vous savez faire des choses que nous on sait pas faire alors qu'on est en troisième année. C'est clair. Oh c'est beau. Regardez. J'ai installé à peu près tout mon projet pro, je vais vous montrer. Donc là, c'est ma silhouette échelle 1. Je crois que je vous l'ai déjà montré en vidéo. J'ai installé ça et j'ai fait un grand mur de tissu. Un peu comme du collage, mais avec. J'ai mis des petites épingles et tout ça pour que ça tienne au mur. Et là, il y a nos chemises qu'on a fait en cours de modélisme, en couture du coup. Et là, en fait, ce serait pour faire un coin photo en prenant des photos tout à l'heure, donc ça va être chouette. Du coup, quand on rentre dans l'atelier, on a installé ça comme ça. Là, sur la droite, c'est le travail de Sarah. Tac. On a aussi tout installé là sur la table, donc là c'est Florian et moi je suis aussi dans le coin là-bas avec mes carnets et le plexiglas que vous avez déjà vu. Donc ça c'était notre projet upcycling de début de troisième année et c'est aussi le projet qu'on avait shooté pendant le workshop photo. Mon short il est là. Ça c'était notre projet Shibori qu'on avait fait en deuxième année, j'avais adoré. Ça c'était mon proto et ça c'était toutes mes phases de recherche. C'était un projet trop cool, je crois que c'est un de mes préférés. Et c'est celui que j'avais apporté quand je travaillais avec Thibaut cet été à Paris, avec Citadium. Du coup bah, tout se passe super bien en vrai. Ça va, il y a du monde qui aime. Ouais. Oui, là je viens de parler à une fille super gentille, je sais pas comment elle s'appelle. Je viens de déballer mon sac, là je suis essoufflée d'avoir parlé. Enfin bref, tout se passe bien. On prend une pause. Voilà, il était temps. Là il est, c'est quelle heure? 16h? Ouais, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Bon, 28. 16h28. Là c'est un peu calme. Il n'y a pas grand monde. Depuis le début il n'y a pas grand monde. Bon, on en a eu 2-3. C'est tout. Après, on a eu beaucoup d'élèves, quoi. Mais voilà, bon, au moins c'est bien, on papote avec les profs et on en apprend. Et Valentine m'a apporté un café. Du coup, voilà. Un peu fort. Oui, un petit peu fort. Elle s'est pas dosée. Mais t'as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit je bois pas du café, du coup, je sais pas. Il y avait écrit une cuillère. Parce que c'est du café soluble. Elle a dit il y avait écrit une cuillère. J'en ai mis une, mais elle était un peu remplie. Hein. Mmh. Tu meurs comme ça. C'est une cuillère à soupe, là, pour un café. Enfin, bref, voilà. Donc là, ça va. Nickel. Petite séance photo. Backstage. Regardez qui est mon photographe, devinez. Évidemment. Hey hey. Ouais. Suivez-moi sur Instagram. Évidemment. Souscrivez à un abonnement. Je te prends partir d'ici ou tu veux vraiment tout l'outfit? Un peu des deux. Ouais. C'est très technique. Tu veux qu'on fasse des zooms détail après? Ah ouais. Ça fait des jolies couleurs. Ouais. On n'a pas regardé ici.
Du coup, on vient de faire une petite séance photo avec Léa. Évidemment, c'est Flo qui a pris les photos, comme d'habitude. Oui. En fait, c'est un peu mon photographe attitré. Non, mais vraiment, dès que je veux des photos un peu plus quali. Où ça, il y a Joule. Je vais voir, il y a du Joule apparemment dans la salle à côté. Dès que j'ai besoin de photos un peu plus. Bon, en fait, même avec l'iPhone, c'est Flo qui me prend en photo. Il sait gérer. Oui, Joule. Ah, il y avait plus. Il y avait de la musique. Ça, Joule. Apparemment, il y avait du Joule. J'aurais dit Joule, mais. Joule. Bah, y'a pas. Y'a pas Wesh alors ? Un peu déçu. Bon, du coup, là, on était en train de faire un tour un peu dans les autres salles parce que bah, c'est bientôt l'heure. C'est quelle heure ? C'est l'heure de partir. 47. C'est 47, on a bientôt fini et on en profite pour faire un tour dans les autres salles des autres sections et des autres années. Ouais, donc là, on est en graphisme. Ils font du bon boulot. Bah, franchement, moi, je vous dis que les années inférieures à nous, inférieures, ça fait très. Ils sont super forts. Hein. On est les boss. Non. Mais tu sais, t'as vu le travail des premières années mode ? Non. T'as pas vu ? Non. Bah, ils sont super forts. C'est un autre niveau que nous. Ah, ils sont vraiment super. Bah, on va aller voir. De tout. De design. Ah non, de tout, c'est vraiment. Non, voilà, là, on fait un petit tour un peu de partout avant de partir. Et puis après, on va y aller parce que c'est fini, là, il n'y a plus personne. Donc voilà. Du coup, on est toujours en train de faire un tour un peu partout dans toutes les salles. Regardez ça comme c'est beau. Je ne sais pas qui a fait ça. C'est moi. Mais c'est vraiment magnifique. Moi, de toute manière, plus c'est fait à la va-vite et plus c'est ressemble à du gribouillage, plus je trouve ça magnifique. C'est beau, moi, ça j'aime bien. Ouais. C'est du scotch. Hein? Oui, c'est plusieurs épisodes. C'est du scotch. Non, mais là on n'a pas le même level, hein, je suis désolée. Hein. C'est du scotch, les gars. Oh merde, j'ai craché. Désolée, je vous ai craché dessus. C'est du scotch. Mais... Non, alors lui, j'espère qu'il a eu 22 sur 20. Hein. Vous voulez que je vous explique? D'abord. Mais c'est magnifique ça. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est fait avec le truc à gras. Ah ouais. Oui, t'enlèves les couleurs. Oui, c'est genre tu mets d'abord une première couche de couleur, après la peinture noire et après tu grattes. Donc ça, c'est le plus beau que j'ai vu. Ouais, mais ça, je suis focus sur le. Non, mais c'est fou. Comme des paillettes pour l'arrière. C'est fou. Des paillettes. Vous pensez qu'on peut lui signer un autographe ? Devinez qui c'est qui a oublié de faire son outro ? Bon, là on est dimanche, mais je vous ai oublié, je suis désolée, je voulais filmer hier après les portes ouvertes en rentrant, sauf que j'étais crevée, donc je suis allée me coucher. Donc, conclusion de cette journée de portes ouvertes, c'était génial. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai essayé de filmer un maximum. Évidemment, j'ai pas trop filmé quand j'étais en train de présenter l'école et la section à des inconnus, parce que j'avais peut-être pas braqué ma caméra sur tout le monde. Et voilà, j'ai passé aussi beaucoup de temps avec mes profs, on a beaucoup discuté, etc. C'était vraiment super bien. Il y a pas eu beaucoup de monde, c'était un peu par vague, mais il y a quand même eu quelques personnes. On a pu bien expliquer, bien présenter la section, parler de l'école, etc. C'était génial. Moi, comme vous le savez, comme je pense que vous l'avez deviné, j'adore parler aux gens, donc ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant ça l'est. Du coup, bah, j'étais aux anges de présenter la section, de présenter mon travail, etc. C'était vraiment chouette et il y avait une très très bonne ambiance. Bah, j'étais avec mon équipe habituelle, j'étais avec Flo, Denisa, Léa, Margot, donc c'était vraiment chouette. Et voilà, et puis une fois que ça a été terminé, on a bu un verre avec les profs, c'était vraiment sympa, on a fait un petit apéro, donc c'était vraiment cool. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, de passer un temps où il n'y a plus le truc prof élève et on a discuté normalement. Maurice, tu veux aller où? C'était vraiment super cool. Je pense que ça nous a fait aussi du bien de passer du temps avec, avec les profs en dehors des cours et de la collection qui nous prend tout notre temps. Enfin, c'est normal hein, parce que c'est le boulot, tu vois. Mais je pense que vraiment ça nous a fait du bien, même aux profs, de discuter avec nous en dehors des cours. De toute manière, je pense que je l'ai déjà dit, mais nous on n'est pas beaucoup dans la classe. Du coup, on est quand même assez proche de nos profs. Moi personnellement, je m'entends très très bien avec et du coup, c'est vraiment cool. Maurice! Mais... Enfin bref, je pense que ça fait du bien à tout le monde de boire un verre comme ça en dehors des cours. C'était vraiment sympa. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. De toute manière, ce sera pas la dernière vidéo que vous verrez dédiée un peu plus à l'école. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne journée. Et quant à moi, je vous dis à mercredi pour le journal de bord du mercredi. Prenez bien soin de vous. Parce que c'est le plus important, comme vous le savez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Bisous!